Merci beaucoup. Soyez tous salués ce samedi soir. Ceci est la deuxième partie de la présentation que j'ai faite sur TikTok il y a de cela 2 heures de temps. Là, il est 20h30 du samedi 2 mars 2024. La suite sur la suite est sur le sujet que nous avons tout à l'heure abordé sur TikTok en rapport avec la propriété physique et la propriété spirituelle. L'importance, n'est-ce pas, que la propriété physique joue dans la pratique spirituelle au quotidien. D'accord? Surtout lorsqu'il s'agit de pouvoir commencer un rite quelconque, qu'il soit religieux, dans le cadre de la pratique théurgique ou dans le cadre de la pratique de la magie cérémonielle et même ritualique ancestrale. Il est très important d'observer cela. Donc, au cours de ma présentation, la vidéo elle est disponible seulement, je crois, la moitié a été sélectionnée et c'est celle qui est actuellement sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Mais l'autre partie n'a pas été retenue.
Mais sur la dernière partie, c'est là où il y a eu des questions. J'étais donc en train de recevoir et en train de lire des questions de certaines personnes. Il y a une dame justement qui a posé une question depuis le Burkina Faso. Elle voulait donc savoir sur la liste de certains éléments qui vont vous aider à mieux être prête ou prêt pour pouvoir entrer en communion avec les esprits de l'au-delà, avec les génies, avec Dieu, comme vous le voulez. Ceci, quelle que soit votre pratique religieuse. D'accord? Souvenons-nous que quant à la pratique, n'est-ce pas, toute pratique spirituelle dépend souvent, si vous voulez, est précédée, ou du moins doit être précédée par une bonne préparation. Parce que dans la pratique magique, dans la pratique spirituelle, l'objectif, c'est d'obtenir des résultats. L'objectif, c'est d'aboutir à quelque chose qui vous permettra au moins d'être satisfait. Mais malheureusement, pour la plupart des cas, nous avons remarqué que beaucoup de personnes se sont toujours plaints que malgré la pratique du rituel, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Ils n'ont pas vu les résultats. Mais qu'est-ce qui explique cela? Mais je l'ai dit dans la première partie que j'ai oublié de bien suivre, j'ai expliqué que la raison principale, c'est parce que, un, c'est la malpropreté. Votre corps doit être propre. Là où je vous ai parlé tout à l'heure, il y a 2 heures, avant de sortir, je m'étais déjà purifié, je m'étais déjà baigné. Tout à l'heure, avant de venir encore vous parler, dès que je suis rentré à la maison, je suis allé laver les mains avec le savon, comme je vous l'explique dans la première partie. Laver les mains avec le savon, laisser couler l'eau. C'est toute une ritualité. Vous laissez couler l'eau, vous fermez les yeux, vous sentez les énergies, vous sentez les génies de l'eau couler sur vos mains. D'accord? Une fois cette eau est sur vous, vous utilisez le savon. Et ça doit être le savon parfumé. Ça ne doit pas être n'importe quel savon. Je vous ai suggéré d'avoir le savon épincé. Une fois ceci est fait, les seules parties où vous pouvez utiliser le savon, je vous ai déjà dit, suivez la première partie. Le visage, n'y touchez pas, ne mettez pas de savon, que ce soit à la tête ou au visage. Et quand vous allez vous essuyer avec votre serviette, je vous ai dit, il ne faut pas essuyer la tête et les oreilles, hein, le visage en un mot. Parce que la tête, c'est la centrale thermique de connexion avec les génies de l'au-delà. La tête, c'est le satellite par excellence qui vous permet de vous communiquer avec tout. Puisque c'est à travers la tête que vous pouvez lire les pensées des gens. C'est à travers la tête que vous pouvez faire la prière qu'on appelle prier en esprit. C'est-à-dire vous priez spirituellement. C'est à travers ici même que vous pouvez vous communier avec vos ancêtres. Ça, c'est le troisième niveau, la troisième dimension de la communication avec les ancêtres. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo qui est sortie il y a près de 3 ans qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser tous les accessoires quand vous avez atteint un certain niveau mystico-spirituel pour vous connecter avec les ancêtres. À l'issue de cela, je vous ai donné une liste de certains éléments qui peuvent vous permettre de mieux vous préparer et que ceux-là qui sont derrière, devant, ici et maintenant, puissent tout de suite rentrer en contact avec vous. Parce qu'ils sont attirés par la bonne odeur. Dieu même le dit qu'il est attiré par la bonne odeur. Voilà pourquoi vous verrez dans la Bible. Lorsque vous lirez le livre de Lévitique, le livre d'Exode, et même dans le Nouveau Testament, on vous dira que les encens étaient brûlés 24 sur 24. D'accord? Pourquoi on brûlait ces encens? C'est pour créer une ambiance odorale dans le plan invisible. Tout comme nous, les humains, n'oubliez pas que tout ce qui se fait ici-bas, le fait dans les plans supérieurs. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Donc, nous, les humains, nous faisons exactement ce qui se fait dans les plans cosmiques, dans les plans supérieurs là-bas, dans le vrai monde. Donc, le parfum, disons la douche, un corps qui sent bien, une bouche qui sent bien. Je vous ai même parlé de la bouche. Je veux pouvoir conclure d'ailleurs l'enseignement par cette affaire de la bouche, parce que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, la bouche qui sent. Parce que les gens voient ça surtout au sens littéraire. Mais par rapport à la question que la dame m'a posée, la dame m'a posé la question de savoir,
1. Quelles sont les trois plantes ou les trois fleurs qu'il faut, n'est-ce pas? Parce que je leur ai dit que dans la deuxième vidéo, je dis à tout le monde tout à l'heure que dans la deuxième vidéo, je vais vous montrer une technique qui va vous permettre d'avoir une très forte protection. Vous allez faire des bains avec ça. C'est très important. Et je crois que le thème que je mettais sur cette deuxième partie est la suite sur la propriété, mais ici, plus la grande protection mystico-spirituelle contre les envoûteurs et les assassins spirituels, c'est-à-dire les sorciers. Voilà donc, cette deuxième vidéo va être sur cela. Alors, pour vous pouvoir, souvenez-vous sur la liste de la première partie, je parlais donc du parfum qu'on appelle le parfum Saint-Michel. Ça, c'est important dans ce rituel que je vais vous montrer. Le parfum qu'on appelle le bien-être, surtout le bien-être blanc, pas le jaune. Le jaune, c'est lorsque vous voulez faire du mal. Le jaune, c'est lorsque vous voulez de l'argent. Le jaune, c'est lorsque vous voulez tuer quelqu'un qui vous veut du mal. D'accord? Mais le blanc, c'est dans le cadre, surtout de la préparation et de la rencontre avec les esprits de l'au-delà. Et aussi pour votre protection, pour vous épargner des ondes nocives, vous mettre à l'abri de toutes ces histoires-là. Alors, il faut conserver toujours. Il vous faut sur votre liste le parfum. Le bien-être blanc, pas le jaune. Il vous faut sur la liste le parfum Saint-Michel Archange. Ça dépend. Il y a certains qui vont dire Saint-Michel, d'autres vont dire Saint-Michel Archange. C'est un parfum qui circule beaucoup à l'église catholique et surtout l'église qu'on appelle le christianisme céleste. Donc, et avec ça, j'ai parlé des encens. Ces encens servent d'ouverture pour pouvoir, quand vous les brûlez, votre corps est déjà propre. Vous êtes parfumé avec les parfums que je viens de vous donner là. Vous brûlez les encens. Vous êtes pur. Votre bouche n'a pas été sale. Vous avez jeûné. Hein, comme je vous l'ai dit, là, je suis en plein jeûne, vendredi, samedi. Et demain, dimanche, je suis en plein jeûne. C'est ainsi que vous préparez votre esprit de cette sorte pour pouvoir, à tout moment, lorsque vous allez faire des demandes ponctuelles auprès des génies, il y aura toujours des réponses satisfaisantes. Vous n'aurez pas à en souffrir, comme je vois certains qui se plaignent. Maintenant, la liste des éléments, donc les deux parfums dont je vous ai parlé, les encens, il le faut toujours. Là, nous passons maintenant à la phase du rite. Il y a des plantes. Les plantes en question, c'est les graines de moutarde. Il vous faut les graines de moutarde. Mais ces graines de moutarde-là doivent être fumées. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble la moutarde, je vais vous montrer. Et je vais vous montrer également les graines de moutarde. C'est ça qu'il vous est exigé. Pardonnez-moi. Graines de moutarde. Voilà à quoi ressemble. Voilà la moutarde. Regardez bien. Maintenant, tout au-dessus, là, il y a les graines. Oh là là. Il y a les graines. Ce sont ces graines-là que vous allez prendre et les fumer. Il y a les graines. Voilà. Voilà les graines de moutarde. Vous voyez ça? C'est ça là qu'on appelle les graines de moutarde. Nous les trouvons même dans tous les marchés en Afrique. Il faut donc les écraser. Vous écrasez ces graines de moutarde-là. Ça doit devenir en poudre. Ça, c'est un. Vous avez ça dans un bocal. C'est le premier élément. La deuxième plante que je vais vous demander d'avoir, je vais vous montrer également la photo. Ça s'appelle, en dehors des graines de moutarde que je viens de vous montrer, nous avons ce qu'on appelle les feuilles de basilic. Feuilles de basilic, pour ceux qui ne le savent pas, je vais toujours vous montrer les images de la feuille de basilic. Voilà les feuilles de basilic. C'est ça. Ça, il vous faut les feuilles de basilic toutes fraîches. Je dis bien toutes fraîches.
Il y a également sécher. Mais les sécher, il faut brûler. Or, le rite que je vous montre ici, il s'agit de faire le bain. D'où la présence de parfums, les deux parfums, Bien-être et Saint-Michel-Archange, la poudre de moutarde, de grains de moutarde, autant pour moi. Et ici, il vous faut forcément les feuilles de. Qu'on appelle les feuilles de basilic. Ce sont les feuilles de basilic qu'on appelle. Ensuite, la troisième feuille que je vais vous recommander, la troisième plante autant pour moi, ça s'appelle fumeterre. La feuille de fumeterre. Qu'est-ce que c'est, feuille de fumeterre? Ben, vous allez le découvrir avec moi. Et à quoi elle ressemble. Fumeterre. D'accord? Voilà à quoi ressemble. C'est une fleur, très belle fleur. Voilà, on l'appelle fumeterre. Je ne sais pas. Au Gabon, chez moi. En Afrique, on en a plein, hein, ce genre de fleur-là. C'est une fleur. On l'appelle la fleur de fumeterre. Je vais vous la montrer encore plus dans les détails, de manière plus proche. Comme ça, vous allez mieux la voir. D'accord? La voici. Là, elle est plus proche. C'est ça, là. Il vous faut cette fleur qu'on appelle fleur de fumeterre. Il y en a beaucoup en Afrique. Donc, nous avons fait donc le tour de tout. Mais avant de continuer, il faut que je vous donne les vertus, n'est-ce pas, de ces choses-là. Vous savez, par exemple, la feuille de fumeterre, c'est là, la fleur de fumeterre que vous voyez là. Normalement, on l'utilise aussi pour vomir. Vous pouvez également boire, prendre ça, buvez. Ça aide contre la constipation. Et je vous signale que les feuilles de fumeterre, la fleur de fumeterre, ces feuilles-là, lorsque vous les utilisez dans le cadre de la magie, ce sont les feuilles les plus puissantes en termes de protection et de désenvoûtement. D'accord? Donc, elle est utilisée pour la constipation. Quand vous êtes constipé, par exemple, vous allez mettre, il y a même un thé. Le thé s'appelle le thé de fumeterre. Quand vous allez consommer ce thé de fumeterre, oh là là, au cours de la journée, vous allez voir, ça déclenche la diarrhée. Donc, ça nettoie votre corps. Or, dans le plan mystico-spirituel, lorsque vous êtes constipé, c'est-à-dire vous êtes envoûté, il n'y a pas la circulation des énergies. Il n'y a pas la circulation de votre, comment dirais-je, des pouvoirs. Les chakras sont bloqués, il y a un problème. Parce qu'il y a un manque de circulation de votre esprit. La constipation donc empêche votre esprit de circuler librement. La constipation vous empêche d'avoir des forces. Vous ne vous sentez pas à l'aise. Donc, quand vous êtes constipé, c'est une porte d'entrée aussi des sorciers. Le sorcier peut facilement vous pénaliser. Voyez-vous, la même chose lorsque vous avez la diarrhée. Parce que quand vous avez la diarrhée, vous vous videz complètement de tous les nutriments, de tous les machins. Hein? Le fer faiblit, le taux de fer dans votre corps faiblit, le taux du zinc faiblit, le taux de la vitamine C, qu'est-ce que je dirais, les oméga 3, 5, tout cela, la vitamine K, la vitamine B12, C, B6, tout. Tout cela, ça faiblit. Et donc, le sorcier profite. Par contre, quand le sorcier voit que vous avez tous ces éléments en vous, il est difficile pour lui de vous pénétrer. Donc, c'était juste un petit détail technique. Les feuilles de fumeterre, la poudre de graines de moutarde, également la feuille de basilic. Vous allez mettre, pour ce qui est de la poudre, le seul élément parmi les trois où vous devez prendre la poudre, c'est seulement la moutarde, les graines de moutarde, autant pour moi. Vous suivez la vidéo, je ne vais pas être long, vous allez donc revisionner cela. Et vous demandez ça même partout. Vous pouvez me commander ça sur, je crois, bon, je n'ai pas vérifié, mais je crois, ça va être disponible en ligne sur Google. Alors, votre seau, souvenez-vous, la première partie, je vous ai dit soit un seau blanc ou un seau métallique. Mais je vous conseille d'avoir un seau métallique. Pourquoi? Parce que vous allez de temps en temps soit réchauffer ça dans le bois ou bien, pour ceux qui sont dans les pays comme ici, mettre de l'eau chaude. Voici comment ça se passe. Une fois donc vous vous êtes baigné, vous êtes complètement purifié, vous êtes habillé tout en blanc, d'accord? Vous amenez votre seau et vous faites les compositions tout dans votre temple, d'accord?
devait jeûner pendant 3 jours. C'est le minimum. 3 à 9 jours. Mais le minimum, c'est 3 jours. Mais je préfère commencer par les 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche, vous faites le jeûne à sec. J'ai déjà expliqué ça dans ma vidéo, comment vous pouvez attirer les génies et vous protéger contre les mauvais esprits, chasser la malchance par le rite qu'on appelle le rite du peuple Luango ou bien le rite du vin et, comment dirais-je, et de l'urine. Donc, vous faites le jeûne de 3 jours. Jeûne à sec. Ça veut dire quoi le jeûne à sec? Vous consommez uniquement des fruits aux heures recommandées pour manger, avec un verre de lait ou un verre d'eau. Et ensuite, vous faites ce jeûne à sec, ça veut dire que vous ne mangez qu'une seule fois. Je m'explique. Vendredi, dès le réveil le matin, vous ne mangez rien du tout. Vous restez ainsi jusqu'à vendredi à 23h50, 55. D'accord? Jusqu'à 23h59. Et c'est vers minuit, entre 23h59 et minuit 010, que vous allez juste manger légèrement. Et vous allez prendre les fruits. Comprenez? C'est tout. Vous restez comme ça jusqu'au lendemain, minuit. C'est cela, véritable. Comment dirais-je? Jeûne à sec. Vous ne mangez qu'une fois en 24 heures. Pas la journée, mais entre 23h et minuit. Pour être plus clair, parce que je sais que les gens viendront qu'on pose des questions. Donc, vous faites ce jeûne-là pendant 3 jours et vous faites vos ablutions, comme je vous l'ai recommandé. C'est-à-dire le nettoyage total par un bain profond dans de l'eau froide. D'accord? Dans de l'eau froide, pas de l'eau tiède, pas de l'eau chaude. Donc, une fois que vous êtes baigné totalement, le savon que vous allez utiliser, c'est le savon africain. Le savon noir, ou bien le savon de Marseille. Mais je préfère que vous utilisez le savon africain et j'insiste dessus. D'accord? Le savon de Chenou. Chenou au Gabon, à Tchibanga, il y a une maman qui fabrique ça. C'est même en vente. On va ça à Libreville. Je vais vérifier ça au mois de novembre quand je suis à Libreville. Maintenant, une fois que vous avez fait donc tous vos bains, vous vous habillez tout en blanc et tout nu. Sans slip. Mais pas de slip. Tout nu. Homme comme femme. D'accord? Maintenant, vous amenez. Vous devez mettre votre seau dans, au centre de votre, comment dirais-je, de votre chambre. Là, vous allez faire vos travaux. Il est important d'avoir un espace réservé pour ce genre de choses. C'est très important d'avoir votre propre, comment dirais-je, votre propre hôtel. D'accord? Maintenant, le seau métallique qui n'a jamais été utilisé, il doit être tout neuf. Dans le seau, donc, vous allez d'abord mettre la feuille de fumeterre. Que c'est telle que la pièce maîtresse. Ensuite, après la feuille de fumeterre, vous allez mettre la feuille de basilic. Ensuite, la poudre, vous mettrez 3 cuillerées. Je répète, 3 cuillerées de la poudre de graines de moutarde. Vous allez mettre dedans. D'accord? Et vous allez mettre un quart de litre de votre parfum ou bien le quart de la bouteille de votre parfum Saint-Michel, parce que Saint-Michel vient dans les petites bouteilles comme ça. Vous allez verser dedans un quart, vous versez dedans, vous fermez. Vous prendrez également un quart de votre bouteille du bien-être, vous versez dedans. Vous allez également prendre un quart du rhum, souvenez-vous, le rhum est dans la liste, vous mettrez dedans. Et vous dégagerez tout ceci. Alors, pour ceux qui sont chrétiens, vous allez prendre le psaume 91. Je répète, pour ceux qui sont chrétiens, vous allez lire le psaume 91. D'accord? Vous allez lire ça dessus. Et vous allez également lire Matthieu chapitre 6, du verset 5 jusqu'au verset... Est-ce que c'est Matthieu chapitre 6? Le Notre Père, je crois que c'est Matthieu chapitre 5. Non, c'est chapitre 6, du verset 5 jusqu'au verset 12. Donc, la prière de Notre Père. Si vous ne pouvez pas la réciter par cœur, lisez cette prière de Notre Père sur votre sceau. D'accord? Maintenant, pour ceux qui sont musulmans, vous allez lire une sourate, la sourate de haute protection. Mais je ne connais pas le titre en arabe. Vous connaissez cette sourate-là. Il faut la lire
sur le sceau. Ou auquel cas, vous lirez l'évangile de Yachin. Je répète, Yachin. Et vous ferez la, vous allez réciter l'Al-Fatiha 4 fois. Et vous réciterez la prière de Nas 4 fois. Je répète, la Fatiha 4 fois. Nas 4 fois. La dame qui m'a posé la question, elle est du Burkina Faso. Elle est musulmane. Donc voilà pourquoi j'insiste beaucoup de cette fois-ci mettre l'accent sur l'islam. Ça marche très bien, madame. Cette recette-là, elle m'avait été donnée par un vieux papa sénégalais qui est soufiste. D'accord? Le soufisme, c'est la voie secrète mystique de l'islam. Donc, vous appliquez cela. Pour le cas du chrétien, je disais, vous allez lire le psaume 91 4 fois, le Notre Père 4 fois, et après la lecture de vos sourates et de vos histoires. Maintenant, pour ceux qui sont ancrés dans la tradition comme nous, ce que vous allez faire, vous n'allez lire aucun document. Vous allez vous présenter. Vous allez parler. Vous citez votre nom, pas le prénom. Citez seulement votre nom de naissance, pas le prénom. Et vous citerez le nom de naissance de votre ancêtre qui était le plus puissant du côté paternel. Vous allez citer 4 qui étaient les plus puissants du côté paternel. Vous citerez également 4 les plus puissants du côté maternel. Est-ce que c'est compliqué ça? Vous présentez votre nom. Moi, par exemple, c'est Mouereou Noubia Poudoudou. Là, il n'y a pas mon prénom dedans. Je n'ai pas de prénom dedans. Je n'ai pas mis le prénom des blancs dedans au Guy. Non. Évitez cela. Vous allez tout gaspiller. D'accord? 4 du côté de votre père. 4 du vôtre du côté de votre mère. Et après avoir donc fait cela, les 4, notre père, 4, psaume 91, 4, Al-Fatiha, 4, Nas. Maintenant, vous allez mettre l'eau. Vous allez mettre l'eau. Vous mettez l'eau. Vous mettez l'eau dans le seau. Cette eau-là doit être dans un bidon blanc. Donc, vous devez vous préparer à la veille. L'eau-là doit être dans un bidon blanc. Maintenant, vous versez dans le seau. Jusqu'à 80 ou 90% du seau. Tous les éléments là sont dedans. Maintenant, vous mettrez à genoux le seau face à l'est. Les musulmans savent. Parce que tout musulman prie face à l'est. Certains chrétiens ne savent pas. Donc, mettez-vous face à l'est. Débrouillez-vous. Dans les téléphones, il y a les GPS. Débrouillez-vous à télécharger ça. Donc, maintenant, face à votre seau, le seau est face à l'est. Et maintenant, vous vous baignez. Puisqu'aux ancêtres que vous avez appelés, les 4 du côté de votre père, les 4 du côté de votre mère, vous avez émis vos voeux les plus profonds. Mais c'est maintenant que vous mettez les mains dans l'eau. Tout nu. Vous enlevez le pagne. Tout nu. Vous versez. Vous mettez les mains dans l'eau. Maintenant, vous parlez. Tous les éléments de cette eau. Vous, mes ancêtres, Mupuya, Magak, Mukanja, Mupinzi, Ibata, Magindo, Bindotu. D'accord? Maintenant, pour vous qui êtes chrétien, il n'y a aucun mal. Vous citerez les noms de vos ancêtres. Maintenant, si vous avez peur, vous citerez le nom de votre Jésus là. Seigneur Jésus, toi-même tu as dit que celui qui priera en mon nom sera exécuté. Parce que tout ça, les plantes qui sont là-dedans, le livre de l'Apocalypse dit que tous les arbres, toutes les plantes ont été créées par l'Éternel pour la guérison des nations. Ça, c'est pour ceux qui sont chrétiens là. Les musulmans, ceux-là, ils n'ont pas de problème. Parce qu'ils mélangent la tradition et l'islam. Maintenant, vous, qui êtes dans les rites ancestraux, c'est cela. Il faut citer les noms des ancêtres. Surtout, insister sur celui qui était le plus puissant, qui était craint. Vous voulez vous renseigner avant de faire ce rite. Dites, voilà, je mets ça sur mon corps. Tous mes ennemis, que ce soit mes propres parents, que ce soit les amis, que ce soit n'importe qui, tous qui oseront me toucher, ils vont connaître la mort. Vous versez sur la tête, vous laissez couler. Ils vont connaître la mort.
Vous versez à gauche. Pardon. Vous versez à gauche d'abord et ensuite à droite. Donc, premièrement sur la tête, vous laissez couler. Ensuite à gauche. Ensuite à droite. Et maintenant, vous parlez toujours. C'est tout que je parle. C'est pour m'ouvrir toutes les portes. C'est pour me désenvoûter de tout. Me détacher les chaînes des méchants. De me détacher de toutes les malédictions. Je ne suis pas maudit. Je suis plutôt béni. Béni par le Christ. Béni par Allah. Béni par mes ancêtres. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. Jusqu'à ce que tout votre corps va être mouillé. Vous n'êtes pas obligé de vider tout le seau. Et rassurez-vous que vous ne videz pas tout ce seau-là. Maintenant, vous fermez le seau. Ce seau-là ne doit pas être touché par votre mari ou votre femme. Vous allez donc prendre ce seau, prenez le soin de le fermer. Avertissez votre mari que ce seau-là, c'est mon seau. Ne le touche pas haut. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Si vous avez un mari qui est infidèle, il est allé toucher les femmes dehors. Mais s'il est fidèle, il peut toucher, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas autorisé à se baigner avec. C'est seulement consacré pour vous. Maintenant, les suivez faire pour lui, qu'il fasse, qu'il achète aussi son seau. Voilà, madame, vous qui m'avez appelé depuis le Burkina Faso, n'est-ce pas? Le rite que vous m'avez demandé, il est là. Et j'ai promis moi-même, je vous ai dit que un corps propre, un esprit propre, eh bien, vous verrez que vous allez rentrer en communion avec les génies. Et pour entrer en communion avec les génies, eh bien, ils vont vous apporter tout ce que vous désirez. Mais ils ne peuvent pas intervenir si vous n'utilisez pas ce qu'eux, ils ont déjà laissé dans la mère nature. D'accord? Je sais que c'est écrit dans le Coran, mais dans la Bible, j'ai retenu, parce que j'ai eu l'influence beaucoup plus des chrétiens là, que toutes les plantes, la planète, ont été créées par le Créateur, par le Père éternel, pour la guérison des nations. Je vous ai parlé de la plante là, non, la fumeterre. Fumeterre soigne la constipation. Fumeterre soigne les eczémas. Fumeterre soigne même les acnés. La fumeterre que je vous ai montrée tout à l'heure. Regardez la vidéo à nouveau. D'accord? Mais quand ça soigne les acnés, qu'est-ce qui crée les acnés? Ce sont des microbes, ce sont des virus, et ceci et cela. Mais le virus, c'est qui? Ce sont des petits démons. Donc, voilà pourquoi, dans le plan mystico-spirituel, on l'utilise également. Vous savez la moutarde. Pourquoi les gens consomment la moutarde? Vérifiez bien. Ça a des bienfaits thérapeutiques pour votre corps. Il y a la vitamine B12 dedans, la vitamine B6, elle est dans la moutarde. Je parle de la moutarde en tant que plante, en tant que feuille, quand vous la consommez. Et le thé de la fumeterre est très bon aussi pour votre digestion, antioxydant, enlève tout, 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 tout. Pour ceux qui veulent perdre le poids, ça enlève tout ça. Voilà, chères dames et messieurs, la formule du désenvoûtement et de la haute protection. Au lieu, pour ceux qui jusqu'ici parlent, oh yo, l'histoire de comment piéger le sorcier, c'est trop compliqué. Ce propre saut que vous avez vous-même préparé, suivez la vidéo. J'ai prévu que ça ne doit pas dépasser 35 minutes. Vous allez la suivre à tête reposée. Et vous verrez que ce n'est pas compliqué. Cela que je partage avec vous, j'ai moi-même expérimenté quand j'étais tout jeune, lorsque papa l'a dit, Sila m'avait montré ça. Et depuis là, à Port-Gentil, à Libreville, j'ai donné la même formule à certaines personnes. Ils ont vu leurs ennemis même mourir n'importe comment. Si vous souhaitez la mort, que vous êtes sûr, c'est-à-dire qu'il faut d'abord aller consulter au moins 5 personnes, que vous êtes sûr que c'est cette personne qui vous gaspille la vie, même si c'est votre père, votre mère, la personne va mourir. Quand vous faites exactement ce que je viens de vous dire, le seau que je viens de vous proposer, avec le parfum de Saint-Michel, avec le parfum du bien-être, avec la poudre de graines de moutarde, 3 cuillerées, bien sûr, c'est vous-même qui devez écraser cela, et que vous devez faire le jeûne pendant 3 jours, et que quand vous faites le rituel là, ne couchez pas femme, ne couchez pas homme, et que votre bouche ne doit pas sentir. Pour conclure, que la bouche qui sent, c'est celle qui passe des heures entières, des journées entières, pour dire que des bêtises, dire des mensonges, hein, crier comme des fous. Vous comprenez? C'est ça la bouche qui sent. C'est lorsque vous dites des mauvaises paroles, lorsque vous dites des paroles, des choses qui ne vous regardent pas, lorsque vous battez. Qu'est-ce qui vous dit que les réseaux sociaux, c'est la vérité? Il y a des gens qui exagèrent dans les réseaux sociaux, des gens qui vont vous écrire n'importe quoi. Donc, faites très attention. Surveillez votre bouche. Moi, là, dès dimanche, vous connaissez mes règles. Dimanche, lundi, mardi, je ne parle pas. Oh, parce que j'ai compris le principe de la bouche qui sent.
Votre bouche ne sent pas seulement parce que vous ne brossez pas, des fois vous avez la carie. Votre bouche ne sent pas seulement parce que vous mangez les viandes, parce que quand les viandes pourrissent dans le ventre, ça donne une mauvaise haleine et pourtant vous êtes brossé. Mais ici, il s'agit de la bouche qui pourrit, qui sent, la bouche spirituelle. Il s'agit des principes. Lorsque vous ne contrôlez pas vos émotions, lorsque vous ne contrôlez pas vos passions, lorsque vous ne contrôlez pas les paroles qui sortent de votre bouche, c'est ce qui sort de votre bouche qui fera en sorte que vous gaspillez votre vie. C'est ce qui sort de votre bouche qui fera en sorte que les génies vous disent que votre bouche sente. Et c'est aussi ce qui rentre dans votre bouche qui peut faire en sorte que votre bouche sente. Est-ce que vous le saviez, s'il vous plaît? C'est-à-dire que lorsque vous mangez les vrais aliments, lorsque vous êtes végétarien, lorsque vous surveillez votre régime alimentaire, lorsque vous mangez avant que le soleil ne se couche, souvenez-vous, les interdits, ce qu'il ne faut pas faire, c'est une vidéo qui est sortie il y a 2 semaines. Est-ce que vous suivez vraiment mes enseignements? Est-ce que vous les appliquez dans votre vie, s'il vous plaît? Et vous verrez, il n'y a rien de compliqué, mes enfants et mes petits-enfants. Je ne sais pas, n'ayez pas peur. Le vrai sorcier, c'est celui qui passe ce genre de connaissances. Voilà une jeune femme qui m'a interrogé tout à l'heure sur TikTok. Et voici, à cause d'elle, vous avez une formule gratuite. Appliquez-la. Si elle ne marche pas, c'est que vous n'avez pas appliqué la première partie sur la propriété de votre corps. D'accord? Je vous remercie. Que Tetamouak, Divankavanka vous bénisse. Merci encore et bon week-end. Et surtout, retenez-le. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Faites abonner les parents, les amis. C'est ce que j'ai montré aujourd'hui-là. Bon, c'est une formule. Bon, j'ai voulu vous donner ça cadeau. Hein? Mais attention, malheur à celui qui osera prendre ça pour aller vendre. La mort va vous trouver sur votre chemin. Je vous dis la vérité. Parce que je vous donne gratuitement, donc recevez gratuitement et ne vendez pas. Si vous voulez partager, ne vendez pas. N'osez pas prendre de l'argent. Je vous avertis. Tout inganda. Da ingundanya. Zo moutet. Moutet. Kondanyoko. Yok moutet. Kadi bonzoko. Sa baba. Volani, 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 pare ou maebe gufa. Pare ou maebe gufa. L'ombe no peye, ye po, ye pa miegere, anor. Kambi san, l'ombe ya. Akangi mami. Ou maebe demba ou koliza. Ye gua, ne gione. Je vous remercie beaucoup, que t'es tamanga vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.